que les Andorlectoises se présentent sur le terrain. Vous êtes certainement nombreuses et nombreux. Les conditions, même si une fois le match lancé, évidemment, elles se croiseront sur le terrain. Laura Deneuve, qui nous avait offert un superbe coup franc au match précédent. Côté gauche pour les joueuses de Benfica. Allez, résonne la motivation des Andorlectoises ici. Et attention à cette porte de balle dans l'axe, parce que là, ça va aller vite. Vous l'avez dit, elles ont des jambes. La case qui va se présenter devant Oders, l'intervention d'Oders. Et on demande une passe en retrait, pourvu qu'on en finisse avec cette situation. La frappe. Et le ballon qui revient, et Justine Oders qui peut s'en emparer. Le ballon est resté dans le jeu. Avec Anna Vitoria qui se retourne bien aussi. Uchebe, c'est bien joué de la part de Benfica, ça. Ah ja, ze probeert een afstandsschot. Ouais, il faut que Justine Oders soit attentive et la claque au-dessus du but, cette balle. Il faudra jouer plus juste, hein, ces coups-là. Essayer de garder un petit peu plus la balle et de s'approcher du rectangle de Benfica. La revoici encore, ça c'est pas mal fait. Mais Uchebe en couverture. On peut du coup revenir vers Owen Hans, qu'on essaye souvent de trouver sur son côté. Et là, sur cette approximation, Tessa Oulart, la frappe, Carolina Diaz. Et c'est vrai que quand elle entre en possession de la balle comme ça, Tessa Oulart, on est certaine évidemment qu'il va se passer quelque chose. C'était bien fait, donné par Tessa Oulart. Alors, est-ce qu'elle le joue en deux temps avec Tolings? Non. On voit dans le petit rectangle de Benfica la sortie un petit peu manquée de la gardienne. Oulart. Oulart. Allez, ça c'est bien fait là. L'appel dans le dos de Lennon qui a un petit peu d'espace pour le centre. Pied gauche, ça arrive. C'est Tolings qui a essayé de l'ose. Tolings. Ah, ça c'est bien fait. Wenants, le centre. Il neemt de eerste zone voor haar rekening. Justine Oders des points et elle capte cette balle. Une, deux keer. Oui. Ja, daarom dat ze ook minder risico gaan nemen, zoals je zegt. Hè. Allez là, côté gauche, le centre long de Kenny et Carolina Diaz qui relâche la frappe de Missipo. Elle le jouait aussi ce coup de coin dans le relais avec Lennon, son centre du gauche. Ouh, et la prise. 1-0. Tisson. Bien joué, bien joué. In die eerste zone en dan komt de bal bij Tisson en die, ja, die moet hem gewoon binnenleggen. Elle n'était pas très haute cette balle-là, mais elle s'est loupée dans son intervention dans le petit rectangle. Carolina Diaz et Missipo et surtout Charlotte Tisson. Oulart. On entend cette fois ce coup de coin, la reprise de la tête. Je heb toch het gevoel dat Benfica misschien iets minder energie, intensiteit in het spel legt. Dus ja, misschien toch wel die vermoeidheid waar je van sprak. Attention ici, Silva qui élimine. Oh, la frappe. Kijk, ik was iets te snel positief. En ça, c'était techniquement parfait. Hier ouais. Zien we het nog eens. Et c'est Anna Vitoria là, qui a poussé à la frappe. Met de linker. Ça installe le stress. Het is sowieso goed voor het vrouwenvoetbal in België ook, hè, als zij zich kwalificeren. C'est important évidemment, et le football féminin ce soir soutient Anderlecht évidemment. Ouf, de sal de Sobrino. Ja. Un deuxième but pour Silva Sobrino qui ne nous avait pas montré l'étalage de tout son talent en première mi-temps. Oders qui ne peut pas faire grand-chose évidemment sur cet envoi-là. Het is inderdaad wel een duwfout, maar ref laat spelen. Allez, encore Deloze, elle est là. Laura Deloze, ja. Laura Deloze! Oeh, reuze kans. Oh, jammer, echt jammer. Ça passe juste à côté du goal de Carolina Diaz. Laura Deloze qui avait inscrit deux buts ce week-end face à Gant. Ja, dit doet ze goed, dit doet ze goed. En dan komt hij voor de linker en dan probeert ze hem in de verste hoek. Maar ja, net naast. C'est dommage parce que si c'est placé le long du piquet, Carolina Diaz ne l'a certainement pas. Qualification de Benfica pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. La défaite des Andorlectoises alors qu'elles avaient pris l'avantage au marquoir dans cette deuxième mi-temps. Se retrouve battue, éliminée. Ja, het is jammer voor Anderlecht.